Hello everyone, this is my first video, so I've decided to make it about, well, the struggle about French people in London, or in England in general. I speak for myself obviously, so it might not apply to everyone, but I've made a little list about all those words that I personally struggled with either was like about saying them, or just, what the hell, didn't get it. So, yeah, you can read the list, come back to this video, and just hear me say some stupid things. Let's start with the first one, which is thank you. Yes, you heard me. Thank you. Indeed, I thought it was thank you. Wrong, wrong, and wrong. I kept saying it for 2 years, thinking, oh my god, that's so British, love it. No, no, it's thank you. So, as you can see my tongue doing it, it's thank you, and not thank you, where you don't see the tongue. Number two, I've decided to put angry and hungry. Two different meanings, two different words, indeed. But it seems like French people tend to do the mistake a lot, so I thought I'm just going to point it out. It's not the same. Babe. What is wrong with you? Babe, love, darling, honey, and so on. All those lovely sweet words that French people keep for their loved one, actually, not the postman, not the waitress. No, it doesn't work. No, no, it really doesn't. Number four, we're talking tube station in London, but also a city. Leicester. Leicester Square. Alright, why would you write it Leicester when it's Leicester Square? This one is the fifth one. I might still get it wrong because it just doesn't go in my head, but you've got the ball. No, you've got the ball. And the ball. 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 Then you have ta. Ta is a bit like a nicer way to say thank you. It stands as thank you. There's nothing different really. You could use it a bit with everyone. Without being rude, obviously. It just, I personally don't get it, and I cannot use it in my everyday language, but a lot of English people do, so I guess go for it. Ta! Alright, so then we can speak about accents. Obviously, I cannot do it for you, but I found a video, and just listen to it, and let me know if you get it. I was in a gang for about a year, 2 years. I was actually quite a lot of fights when I was jumping about like that. Two guys walked up to my pal and called my black bastard, and about 12 boys ran in the corner and started battling me. Number eight, I think it's just a matter of finishing the word right, so you've got worse and worth. So, I don't know, French people tend to do that mistake quite a lot, and me first, obviously. So I just wanted to point out, you know, just a bit like angry and hungry. It's just little things that we need to know in our head. I love this one. I tend to use that word so many times because I love to pretend I know so much about what's going on the papers, and they always mention the law, not the law. So for a long time, it was the law, just because I don't have that thing like that. No, 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 that's Parisian, that's not me. So, yeah, the law. Number 10, let's finish with an expression. I must admit, I don't get it, and for a long time I thought I was hearing it wrong. I thought it was saying, well, thank you, and not why, thank you. So, it is actually just a way of saying how much you're thankful in the nicest way. But, you know, it's just like, why? Why? So, yeah, why thank you. You're super thankful. Thank you for watching this video. As you can see, I still have my tea and I'm sitting on my Swiss ball. I hope you liked it, and I hope my English is not too bad to make a video about English. That'll be weird. If you feel like you too, you struggle with words, please share them, because I'll be interested in hearing them, French or not. It just works, I think, for everyone, those things. So, yeah. Hope you liked it. Bye!
Bonjour et bienvenue. Ceci est ma première petite vidéo et on va voir comment ça se passe. J'ai fait une première partie en anglais, donc si vous êtes assez brave, regardez-la. Et vous pouvez entendre aussi comment je prononce les mots, mais je vais le refaire ici. En fait, je voulais partager mon expérience en tant que française en Angleterre, à Londres en l'occurrence, et partager les mots avec lesquels j'ai eu du mal tout simplement, du mal à prononcer ou du mal à comprendre. Donc voilà, donc je voulais juste partager ça. D'une façon très simple, 10 mots, une petite liste, on y va. Numéro 1, c'est thank you, merci. Donc, comme je dis dans mon texte, c'est pas si évident. J'ai cru pendant longtemps que c'était thank you. Ça sonnait tellement bien, mais non, c'est thank you. Donc comme vous voyez, en fait, la langue doit être apparente, donc thank you, et pas thank you. En numéro 2, je parle de angry and hungry. On fait tous l'erreur, je pense que même à l'école en fait on nous apprend, on met les deux mots l'un à côté de l'autre pour bien les différencier. Mais une fois sur place on a quand même tendance à faire la faute, donc je voulais juste la partager. Babe, c'est le numéro 3. Alors je l'ai mis juste parce que en France c'est pas aussi commun de surnommer les gens qu'on connaît pas en fait. Ici on appelle tout le monde ses chéris, ses amours, ses bébés, non ça... C'est bizarre, quand on arrive ici c'est très très bizarre et puis on peut être très très jaloux. Si vous êtes venu à Londres, vous avez vu la carte du métro et il y a cette station qui s'appelle Leicester Square. Donc c'est le quartier où il faut aller si on veut sortir en boîte, si on veut vraiment faire la fête. Très réputé, beaucoup de Français évidemment. Et puis bon ben voilà, quand on va là-bas, on dit ouais je vais à Leicester Square parce que nous on le lit. Mais non, il faut pas lire parce qu'en anglais il faut pas lire. Donc en gros, c'est Leicester Square. C'est comme s'ils oubliaient le Leicester. Voilà. Ça, c'est une petite erreur que je fais personnellement. Je ne sais pas si beaucoup de gens la font. Encore une fois, comme je le dis, c'est à cause de moi, c'est parce que je suis du Sud. Je le blâme sur le Sud. Donc en gros, c'est un bol et une balle qui se dit une pointe différemment, mais qui fait une grosse différence, croyez-moi. Donc on a la ball qui fait un O avec la bouche, bon, et un ball. Et là, il n'y a pas de trop de forme sur les lèvres, donc ball, ball. Important. Ta. Ça se dit comme ça, vraiment ta, avec le A qui s'allonge un petit peu. Ça veut dire merci, tout simplement, mais d'une façon plus amicale, plus enjouée, vraiment, tu remercies la personne. Du coup, dans ma tête, le premier jour où je l'ai entendu et où j'ai su ce que ça voulait dire, je l'ai imprimé comme cimer. La traduction, c'est cimer dans ma tête. Du coup, moi, personnellement, je n'arrive pas à l'employer avec tout le monde. Je vais vous faire écouter l'accent écossais. C'est assez particulier, pour ne pas dire incompréhensible. J'ai encore du mal aujourd'hui à comprendre les écossais, tout simplement. Donc, comme dans tous les pays, il y a des accents. Ici, en Angleterre, il y a des accents plus ou moins forts, mais celui-là est assez spécial, donc écoutez. The 12 boys ran when the government started bombing. People in Glasgow carry lockbacks and kitchen knives and that, like meat cleavers, different weapons. My pal was reciting. Le numéro 8, encore une fois, c'est une erreur que je fais moi, mais j'ai entendu d'autres personnes la faire, donc je voulais la... juste, voilà, la citer. C'est worth et worse. Donc là on veut dire worth, ça veut dire que ça a la valeur, et worse, ça veut dire pire. Voilà, je voulais juste le notifier. Je pense que beaucoup de Français le font, tout simplement c'est une finition, la fin du mot quoi, qu'on mélange un peu, donc je voulais juste le partager. En numéro 9, je vais encore mettre la faute sur le sud. Voilà, donc là c'est le mot law, qui veut dire la loi. Et tout simplement, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était law. Parce que je dis « oh », je dis pas « oh », naturellement. En numéro 10, je parle d'une expression anglaise qui est « why thank you ». Ça veut dire « merci », tout simplement. Mais c'est une expression que je trouve bizarre en tant que française de dire « pourquoi merci ?» Surtout que ça veut dire... Ça, c'est une façon d'accentuer son remerciement. J'ai pas très bien compris, alors je l'emploie pas. Merci d'avoir regardé la vidéo. On vient de faire le tour de la liste, donc ben, j'espère que ça a été, que c'était pas trop fouillis, que vous m'avez comprise. Comme vous pouvez voir, je bois du thé, il est 5h, il fait nuit noire. On adore Londres.
Si vous aussi vous avez des mots avec lesquels vous avez eu du mal, ou vous avez encore du mal comme moi, partagez, ça m'intéresse, donc commentez, enfin faites-moi savoir. Et puis, ben, à bientôt!